12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Vampire. Nous incarnons le docteur Jonathan Reed dans le 20e siècle à Londres, plus précisément 1918, qui vient de se réveiller, semblerait-il, d'un gros carnage, d'une fosse commune. Des cadavres partout et en mauvais état. Ensuite, des traces de sang, c'est la seule chose qu'il voit. Et ça, ça m'a l'air d'être une femme. Sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no!
Mary! Hold on! Please, hold on! Oh God. Mary. Mary. No. 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 No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me! Bon bah ça commence bien. No, don't shoot. Il vient de tuer ce qui semble être sa sœur. Un plaisir. I need to get out of here. Bon après il n'était pas totalement conscient de ses actes non plus. This can't be Et là on est chassé. Aïe. Stop. I mean you no harm. Alors il semblerait aussi que ce jeu ait plusieurs fins possibles. What's going on? J'ai décidé pour le premier gameplay du moins. Oh, Mary. What have I done? D'être le pire enfoiré possible et de tuer absolument tout le monde. Si le jeu me plaît, je le referai peut-être en gentil, on va dire. Sorry, but you left me no choice. Puis d'après le jeu, ça devient plus simple en tuant des gens. Donc pour un premier gameplay, tant mieux, j'ai envie de dire. Et si jamais j'en fais un deuxième, bah ça sera un petit peu plus corsé. Il se protège, il se met en garde, raté. Ok, donc c'est ce type de jeu là, les mécaniques, esquive, taper. Là, il y en a plusieurs, d'accord. Donc là, techniquement, il faudrait que je bute celui avec le flingue. Mais tant qu'il peut pas me tirer dessus, je suis safe. Aïe, je l'ai pas vu m'attaquer. Lui. Aïe. Ah, il faut que je me calme hein, sur les touches. Il faut que je sois plus patient qu'agressif. Parce que je vais vite en payer le prix si je commence à faire n'importe quoi. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech. Please. Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Ok, donc on est sensible à la lumière ultraviolette. Feels like it's burning me to the bone. Ça vient diminuer ma barre de santé maximale. Ah, ça c'est quand même un petit peu plus con. Ils m'ont repéré. C'est sympa. Là, il y en a qui me foncent dessus avec ce qui semble être une assez grosse arme quand même. Ah, pour courir. Ok. Ah, ok, d'accord. Cette porte-ci. Porte verrouillée, d'accord. Donc est-ce qu'il y a moyen de revenir ici plus tard ou est-ce que c'est plus un jeu linéaire? Il y a peut-être une clé dans le coin aussi. À voir. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'objets à collectionner dans ce jeu.
Je vais continuer à fouiller et puis on trouvera bien s'il y a quelque chose. I cannot enter. Ok, donc blanc accessible, rouge inaccessible. C'est bon à savoir. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Ok, alors, fouillons cette maison. Whoever did this to us, I will find them. Ok. On a donc accès à des flashbacks. Shilling, ah oui. Oui. Soleil et feu, nouvel objet à collectionner. Ok, c'est quoi les collectionnables? Les suceurs de sang ne craignent pas le soleil, ils ne sont pas immédiatement réduits en cendres, s'ils sont touchés par ces rayons, par contre cela leur fait très très mal. Un jour j'enchaîne un vampire à un arbre afin de voir ce qu'il allait se passer au lever du soleil. Sa peau a noirci en l'espace de quelques minutes, comme si elle brûlait de l'intérieur, ses yeux et sa chair ont fondu, et j'ai vu de mes propres yeux ses os se tortiller toute la journée pour essayer de s'extraire de ses chaînes. Au bout du compte, il n'en est resté qu'un cadavre desséché qui a lentement recommencé à se régénérer. Oh ! Dès que le soleil a disparu de l'horizon, je lui ai couper la tête afin de le détruire pour de bon, mais lorsque j'ai fait la même expérience avec du feu, il n'est resté du suceur de sang qu'un tas de cendres dont il n'est jamais revenu. Le feu est donc notre arme de prédilection, mes frères, le meilleur moyen de nous débarrasser d'un vampire est de le brûler. Ok. Donc il ne meurt pas, mais il est extrêmement affaibli. Par contre, couper la tête et le brûler coupe la régénération. Peut-être que couper la tête suffit, hein, j'en sais rien. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an eve. It's impossible. Très bien. Et on a été pillé d'une montre à gousset. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish! I still have so much left that needs doing. Ok, donc il a quand même un reflet.
Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Un revolver usé. On va pouvoir se battre avec un flingue. C'est bon ça. Alors, journal ensanglanté. Oula. Ouais, bah vous mettrez pause. Prochaine page. Et la fin. Voilà. Trop de lecture, tue la lecture. Bon, y'a plus rien d'autre à récupérer, on peut faire un somme. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Trophée obtenu pour l'éternité. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Who tames blinding sunlight into a glowing reflection. Évolution. Les lits de refuge vous permettent de vous reposer et d'évoluer. Dépensez des points d'expérience pour monter en niveau et améliorer vos compétences vampiriques. Parfait. Autophagie, commencez en sélectionnant la compétence disponible autophagie. Là, vous consommez votre propre sang pour soigner instantanément les dégâts normaux et aggravés. Oh. Le premier niveau d'autophagie est dépenser suffisamment de points d'expérience pour le déverrouiller. Donc ça doit être les points d'expérience en haut à droite qui sont pris. Il y a 600 points qu'il faut mettre, ok. Ah, donc c'est effectivement ça. Voilà. Donc ça c'est bon. Vous avez gagné un niveau et vous vous sentez plus fort. Retournez à l'écran précédent. Vous avez cette expérience pour déverrouiller une compétence agressive. Choisissez-en une à déverrouiller. Agressive, là. Griffe, une attaque à courte portée qui peut découper toute créature vivante devant vous. Parfait. Vous projetez une lance faite de sang qui peut transpercer les ennemis devant vous. Sympa. Et vous placez un nuage d'ombre à vos pieds ou à ceux de votre cible. Le nuage explose après quelques secondes, infligeant de sérieux dégâts. Sans ténèbres, dégâts. Donc ça, c'est vraiment pour les dégâts. Alors, avoir une arme à distance, ça peut être très important. Mais je pense que je vais pas tarder à pouvoir déverrouiller plus.
Donc je vais prendre ça d'abord. Voilà. Et on va mettre des coups de griffe confirmés. Ok. Voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Ok. Donc le responsable de tout ça, il va prendre cher. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here! Oh, fuck you! It's the leech. My head's spinning. Ok, pas mal. Oi! Come on, you coward! Non. Ça va pas être possible, monsieur. Je suis tout nu. Ne venez pas. Arme main gauche. Les armes main gauche peuvent être utilisées en appuyant sur la touche triangle. Elles permettent des attaques spéciales et consomment de l'endurance. Ok, donc là on a quoi? Deux dagues? Un pieu. Ah. Ok, une machette et un pieu. Ok, pourquoi pas. J'ai reçu une clé. Je vais... Oh. C'est quoi, c'est la vision d'aigle? Du vampire? On a une clé. C'est pas pour ça. D'accord. J'espère que je vais quand même pouvoir revenir ici. Fouiller tout ça. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. It's locked. Tout est verrouillé. Alors je peux courir. Appuyez sur triangle pour utiliser votre pieu et infliger des dégâts d'étourdissement à un ennemi assommé et vulnérable aux morsures. Oh! Pour mordre un ennemi étourdi, mordre un ennemi remplit votre barre de santé et vous permet aussi de récupérer du sang nécessaire à l'utilisation de vos compétences. À table! Strength I never knew I had. Ok. Donc je peux utiliser mon sang pour moto bouffer ou pour utiliser un coup de griffe. C'est bon à savoir. Résistance. Ok. Donc on en apprend aussi sur les ennemis. C'est bon à savoir. Est-ce que je peux le bouffer? Aïe. Ok, donc lui, il est insensible aux attaques étourdissantes. Ah, lâchez-moi. Every fiber of my being is a fire. I feel like a child learning the limits of my body. Bonjour monsieur. Aïe. Ah, ça baisse sa garde en fait, je vois. Ok, la ligne blanche en dessous de sa vie, c'est sa garde. Est-ce que je peux esquiver un coup de fusil, par contre? Ah ok, j'ai plus d'endurance. Ça fout la merde, aïe.
Voilà, je commence à être à fond, donc je vais pouvoir le tuer et en finir. Voilà. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. Attends, je pouvais monter. Attends, il y a des choses à récupérer là. Plaque de plomb, shilling. Est-ce que je peux voir s'il y a encore des choses à récupérer? Alors, j'aimerais bien aller sur le bateau déjà qu'on me le propose. Il y a des choses à récupérer là-dessus. Je peux retourner là-haut aussi. Ok. Bon, rien à récupérer dans le coin. État du quartier stable. Ok. Il y a une fonction de quartier aussi. Est-ce que ça va être les guerres de gang? Votre roi et votre pays ont besoin de vous. Engagez-vous dans l'armée britannique pour aider nos courageux frères au front. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. La porte là est verrouillée. I cannot enter. Là il y a un passage, mais j'aimerais d'abord voir ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que... I can't believe I'm doing this. Ah, je viens de bouffer un rat. Parfait. It's locked, all right. Verrouillé aussi. Ok, bon. Donc en cas d'extrême nécessité, je peux bouffer des rats. The dizziness from the jump. I can now control it. Pas prendre de l'alcool, non, juste l'argent. Je suis pas sûr que ça. Aide à grand chose maintenant que je suis full. Mais bon. What will London have to say to me? Attends, quoi que, je vais vérifier. Je vais vérifier un truc. Là, il y a 170 XP. Là, j'ai un rat. Encore 170, ça bouge pas. Ok, bon. C'est pas grave. Non, il y avait rien à ramasser là, ok. Juste la porte à ouvrir. Doc de Limehouse. Il y a des traces de sang. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Ouais, bah avec tout le sang qui traîne sur les murs, c'est quand même sacrément du gâchis. Fresh blood. The smell is so strong. Eh, attends voir. Je vérifie. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà. This is a slaughterhouse. It's locked. Verrouillé. Ah. Tout est verrouillé dans ce pays. Ok, bon bah c'est pas grave. Ce sera pour plus tard, je suppose. Suivre la piste du tueur. Je pense que je vais pouvoir revenir faire tout ça, hein. Ça sert à rien que je perde trop de temps. Where has everyone gone? Alors par contre, pour contrôler où je peux sauter, c'est quand même assez compliqué pour l'instant.
Il y a un refuge caché à proximité. Soyez vigilants. Un refuge de bandits, du coup. Vous avez trouvé un nouveau refuge. Vous pouvez y dépenser vos points d'expérience en dormant ou bien fabriquer des objets sur l'établi. Ok. Il y a du craft. Tout remplir. Ah, donc on a des munitions. Bon, pas encore, du coup, mais... C'est possible. Morceau de poignet commun. Morceau de gâchette commune. Donc on peut améliorer effectivement nos armes. Ça c'est pour utiliser les points. Il y avait l'établi. Ici il y a que dalle. Ok, donc je vais voir si je peux pas construire quelque chose sur l'établi. Artisanat. Artisanat, les établis vous permettent de fabriquer des traitements pour soigner les citoyens malades. Ça, on ne l'utilisera pas. Des sérums pour booster votre métabolisme durant les combats. Des améliorations d'armes et modules pour les personnaliser. Donc là, pour l'instant, on n'a rien ici. Au niveau des armes. Amélioration. Il manque des morceaux de gâchette et des ressorts. C'est bon à savoir. On a une bouteille d'alcool. Recycler en composant. Ok. Donc pour l'instant il y a vraiment rien ici quoi. Je peux pas améliorer ça. Je peux pas améliorer ça. Ok. Mais au moins je sais que c'est possible. Qu'est-ce que je pourrais fabriquer techniquement là? Bah rien. J'ai rien. Ok. Voir si j'ai pas des points de compétences à mettre. Bon, avec 500 XP c'est pas sûr. Corps. Jauge de santé, augmente votre santé, augmente votre endurance, ça peut être intéressant. Augmente votre capacité sanguine, ok. Et augmente la quantité de sang absorbé lorsque vous utilisez morsure au combat. Ça, c'est peut-être un peu plus important là tout de suite. Voilà. Par contre, je n'ai plus assez de points pour une autre compétence. Donc il faudra que ça suffise. Et ça m'évitera de devoir utiliser la morsure aussi souvent.